Vincent Niclot serait blacklisté de certains plateaux télé. Il semblerait que le chanteur à la voix d'opéra, qui sera à la tête de l'émission consacrée au SIDA Action en compagnie de Julia Vignali, pense être victime d'une sorte de liste noire pour certaines émissions. Lors de son passage dans l'émission Le Buzz Télévision, ce mercredi 22 mars, celui qui est désormais acteur a exprimé son choc face à l'accident de Pierre Palmade, et il en a aussi profité pour expliquer qu'il n'est jamais invité par Quotidien et C'est à vous. Au micro de RTL, dans l'émission On refait la télé, Vincent Niclot tente de préciser son propos à la demande d'Éric Dussard. On ne m'invite pas à C'est à vous, depuis 4 ans je ne suis pas invité, déclare le chanteur. Pourtant invité sur de nombreux plateaux radio et télé, Vincent Niclot ne semble pas comprendre pourquoi il n'a fait aucun passage dans l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine. Pas rancunier, Vincent Niclot n'hésite pas à exprimer son état d'esprit face à la situation, je trouve ça assez injuste, mais ils doivent avoir leur raison. Supérieur à supérieur à supérieur à Garou, Vincent Niclot, Michel Drucker. Que pensent les stars de Céline Dion? Si un jour on m'invite, j'irai alors que le journaliste lui demande s'il connaît la justification, Vincent Niclot explique qu'il n'a pas essayé de savoir, ni même ses équipes. S'ils ne m'aiment pas ou qu'ils ne m'apprécient pas, ils ont leur raison, déclare le chanteur. Pourtant, malgré la situation, Vincent Niclot serait prêt à venir sur leur plateau. Je ne vous cache pas que si un jour ils m'invitent j'irai, parce que lorsqu'on fait mon métier on a besoin d'être exposé, déclare le chanteur d'opéra. Si un jour C'est à vous fait la demande à Vincent Niclot de venir sur le plateau, ce dernier ira avec plaisir et il en est de même pour Quotidien. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran, RTL on refait la télé.